C'est parti. Exploration sur la terre ferme. On est équipé. Il fait le jour à peine. Objectif, remonter là où on était descendu. Je prends rien de ce que je trouve dans l'eau. Objectif, c'est vraiment d'explorer la terre. Je sais pas s'il y a des trucs, mais l'objectif, c'est ça. Donc... C'était par là, de toute façon. C'était par là, de toute façon. Je sais pas s'il y a des trucs dans le coin, là. C'était pas par là? C'était pas si loin. C'était pas si loin. Oh, il est gelé, le gars! Bah alors? Oh, pauvre gars. Ah ouais, je sais plus où monter. Il me semblait que c'était là. Il me semblait que c'était là. En même temps, je suis parti un petit peu à l'aveugle, hein. Donc bon. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ok. Bon, j'ai envie de te dire que de toute façon, mais si c'est par là, on était arrivé dans ce sens-là. Peut-être plus partir là-bas au fond. Ah mais comme par hasard, il y a une vieille tempête, quoi. Oh, c'est là. Il y a une vieille tempête, on peut pas sortir. Alors, ramasser de la neige. Bonsoir. Bon, j'espère qu'il y a des trucs, quoi. On cherche pas dans le vent, quoi. C'est vrai qu'il y avait des plantes comme ça. Hein. Bon, ça, il n'y a plus la tempête. La tempête n'a pas duré. On était arrivé ici, voilà. C'est ça. On était arrivé ici. Ça, c'est notre module qui a pété. On peut rien scanner. Oh, il y a une fusée éclairante. Putain, il y a une bouteille de... Putain, mais il y a tellement de trucs, en vrai. Il y a de nos débris, en fait. Non, mais c'est vrai. Les fusées, ouais, c'est... Bon, je les prends, mais... pour éviter la pollution, quoi. Parce que c'est vrai que là, tout de suite, l'utilité... je ne la vois pas, quoi. Bon, on a trouvé des bouteilles d'eau. Ce qui est, en soi, pas si mal. Oh, il y a une cascade gelée. Oh, un machin. Merci beaucoup, bienvenue, Rémi et Marquis. Bienvenue, bienvenue. Ah, oh, bah attends, mais on a bien fait de revenir quand même. Hein. On a bien fait de revenir quand même. Hein. Il fait légèrement froid la température. Bon, écoute. Je suis dans un abri là. Je suis dans un abri ici. Merci beaucoup, Kraken, bienvenue. Moi j'ai l'impression que en fait il y avait deux routes, elles amenaient forcément à la plage quoi. Tu vois, t'avais l'espace là où on s'est crashé qu'il fallait fouiller. Et soit tu passais par là et tu faisais le tour en fait. Ça m'étonnerait qu'on puisse escalader. Ouais, donc cette zone-là ne sert à rien, quoi. Ouais, non, il n'y a pas d'autre passage. Ok. Ok, bon, bah, on a récupéré de l'eau, quoi. C'est pas... c'est pas la chose la plus incroyable, quoi, mais on a récupéré de l'eau, quoi.
Ok. L'eau, la température remonte instantanément quand on est dans l'eau. Ok. Bon, ben, c'est pas. Pas folichon. Ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer Pépère là. Sur. Du plomb. On va paramétrer Pépère sur du plomb. Et on va essayer de. On va essayer de trouver du plomb. Quoi. Du coup là c'est pas du plomb. Mais tu me l'indiques même pas. C'est un sacré chacal. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin du détecteur du coup? Faudrait trouver un max de plomb. Mais le max de plomb, bon. Ouais, ok, il sert à rien le détecteur en fait. Il sert à rien le détecteur pour le plomb. Origine de l'appel de détresse extraterrestre. Mais il y a encore un appel extraterrestre que j'ai pas fait là-bas? À 500 mètres là? Ah bon? C'était ce. Ah ouais! On est dans la truc. Ah ouais! Ok, vas-y, j'y vais. J'y vais, on va aller voir. Oh, j'ai pas pris le sous-marin. Bon, c'est pas gênant. Parce qu'on n'est pas beaucoup plus loin avec ça. C'est pas comme si on était parti sur 2 km non plus, quoi. Par contre, il faut qu'on fasse attention parce que j'ai pas ma deuxième. Chercher après. J'ai pas ma deuxième. Comment ça s'appelle? J'ai pas la deuxième quoi. Bouteille d'oxygène. On l'a fait ça non? Ouais, on l'a fait ça. On l'avait fait, non? On l'avait pas fait? J'essaie en même temps de garder un œil sur le plomb, mais bon, au final, je garde un œil sur le plomb, sur la destination que je vise et sur l'oxygène. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir! Comment allez-vous? Quoi? Mais je suis où? Quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Recherche d'un réceptacle de subsistance d'urgence. Je pourrais vous aider plus facilement si vous vous montriez. Si nous le pouvions, nous n'aurions pas besoin d'un réceptacle. Vous voulez dire que vous n'avez pas d'enveloppe physique? Est-ce que vous êtes l'un d'entre eux, un architecte? Un réceptacle de subsistance identifié. Nous courons à notre perte, à moins que nous ne trouvions un nouvel hôte. Pouvez-vous nous aider? Vous ne faites pas partie du groupe précédent, vos composants cybernétiques présentent leur signal. Altera? Non, mon équipement est. Je l'ai emprunté. Cela suffira. Qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est qui parle là?
Dis-donc, monsieur. Vous avez besoin d'une nouvelle enveloppe, mais bon, vous allez pas me tuer quand même. Hein? Parce que dans... dans Medium, là, Chauve-Souris Man, il voulait juste notre corps. Hein, tu vois. Non, parce que c'est... Bon. C'est moyen-moyen, quoi. Tu vois. Vous voulez notre enveloppe, quoi. Je suis pas trop fan de cette idée, quoi. What? Mais il y a trop de cubes! Tu m'en veux si je te le vole? Cube ionique. Cette substance minérale verte ne fait pas partie du tableau périodique et a l'habileté sans précédent de contenir une énorme quantité d'énergie ionique. Probablement créée artificiellement, son apparence cubique suggère qu'elle a été découpée à partir d'un dépôt plus grand. Chaque cube contient l'équivalent de 5 kilotonnes de TNT en énergie ionique. Dans les bonnes conditions, l'énergie peut être libérée de manière contrôlée, sûrement utilisée en tant que pile, mais aurait besoin d'une source d'énergie substantielle pour se recharger. Analyse précieuse source de l'énergie. Oh, je te le vole. Oh bah écoute, je suis pas venu là pour rien. En plus, tu vois, tu sors pour que je me serve, quoi. Tiens, ça en fait 4 de cube ionique. On est dans une base! Bonsoir! Et combien de temps êtes-vous ici? Plus que je ne l'aurais voulu. Avertissement, système d'alimentation du sanctuaire est en état critique. Ah, c'est de ma faute! J'ai volé les cubes! Nos données peuvent être téléchargées via le terminal, nous pourrons discuter une fois que le transfert est terminé. Le terminal? Ok, je me dépêche. Terminal, insérer le réceptacle de subsistance. Réceptacle de subsistance accepté, préparez-vous au transfert. Cri de panique et de douleur. Qu'est-ce qui se passe? Transfert en cours. Transfert terminé. Comment vous sentez-vous? Pourquoi j'ai l'impression d'entendre votre voix dans ma tête? La station a identifié des capacités hospitalières au sein de votre cortex cérébral. Vous êtes dans ma tête? C'est mon PDA que je vous avais proposé. Sortez de là! Oh non. Notre espèce conçoit-elle une frontière entre la cybernétique et les composantes organiques? Mon esprit n'est pas un composant. Vous avez l'air en colère. Nous vous laissons un moment pour analyser la situation. Vous n'avez pas intérêt à me lâcher. Xénobiologie succédée, Aurier. Allô? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non! Que se passe? Je surjoue, pardon. Rien de tout ça n'est réel. Cube de confinement d'architecte. Alors que les civilisations humaines avancées ont tenté pendant de centaines d'années de développer des techniques d'émulation totale de cerveau, il semblerait que les architectes aient construit une plateforme permettant d'obtenir le Graal, la technologie d'allongement de la vie. D'un point de vue physique, le cube de confinement semble être composé de séries successives de couches de stockage holographique quantique, supportant une capacité très dense de 35 bits par électron. Le champ d'énergie alimente non seulement un cube animé et suspendu, mais également le logiciel d'exploitation permettant à l'intelligence en subsistance de conserver sa conscience. Une fois qu'une conscience en subsistance est transférée hors du cube, les composants deviennent inertes. Sans pouvoir assister au processus de sauvegarde ou l'observer attentivement, il est difficile d'affirmer comment le transfert fonctionne et si le processus lui-même permet réellement de ne pas perdre aucune donnée. Ok. Ok. Bah écoute, on a un mec qui s'est installé dans notre corps, quoi. Bah pourquoi pas? J'ai raté quelque chose? Non, parce qu'ils disent encore l'origine de l'extraterrestre là, mais enfin c'est bon quoi, maintenant on l'a fait. On l'a vu, l'extraterrestre il est en nous quoi. C'est Venom. Tu as deux amis maintenant, Véronique et Jean-Michmich. Enfin, je sais pas si c'est Jean-Michmich, mais c'est vrai qu'on a Véro aussi. Et Véro, elle va pas nous croire. Et Véro, t'imagineras pas. Si tu savais ce qui m'est arrivé, j'ai croisé une base extraterrestre. Et le mec, il s'est infiltré en moi, quoi. Littéralement. Oh,
Bon, de base, on était parti chercher du plomb. Du coup, c'était l'appel de détresse qu'on avait croisé, enfin entendu. Qu'on avait entendu. Quand on était venu dans le coin. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant. On n'a pas beaucoup de plomb non plus, quoi. Il nous en faudra encore un. Un plomb. Un plomb. Ça, je vais reprendre un parce que... Ah non, il faut le couteau. Bon, c'est pas grave. Un plomb. Du quartz, bon voilà, là on s'est fait un stock. Il y a tellement de débris quoi. Oh non, c'est du titane. Tu cherches pendant 2 heures et quand tu trouves le caillou, c'est pas le bon quoi. Enfin, c'est pas le bon truc à l'intérieur. C'est un coup à partir en dépression. Est-ce que vous pourriez me donner du plomb? Non mais là on trouve full quartz, mais le quartz ça m'intéresse pas. Enfin, pas pour l'instant. Minerai d'argent c'est pas si mal. Ah je vois, y a full titane ici. À 69 secondes. Bon, on va rentrer. On va rentrer et analyser un petit peu ce qui nous est arrivé là. Parce que là, il s'est passé des choses inattendues. J'avais cru voir un truc minerai d'argent. C'est pas ce qu'on veut, hein. Un plomb. Un plomb. Un seul. Un seul plomb. Juste un. Juste un pour pas péter les plombs. Pardon. Ah bah merci. On a un plomb. On va pouvoir se faire le nouveau module. On va pouvoir se faire le nouveau module. Je regardais une vidéo d'un autre mec sur le même jeu, bon en plus. Salut Snack! C'est pas mal, hein? Warning! 30 seconds of oxygen remaining. Ok. On rentre. Changer la source d'énergie. On rentre, on rentre. Ah, du coup, on peut changer la source d'énergie que quand c'est nécessaire. On peut pas remplir d'avance. Ya, 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 ya. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. On y a cru un instant. Bon. On revient pas les mains vides, puisqu'on revient quand même avec des cubes ioniques. Les cubes ioniques, on avait vu vaguement à quoi ça servait. Mais je me souviens plus. Enfin, qu'on allait avoir une utilité. Quoi. On a quelque chose là-dedans? Oh, j'ai refusé! Merde! Vous vous demandez probablement qui je suis. Mon nom est Alan. Je fais partie du peuple que votre espèce nomme les architectes. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas l'intention de me donner la permission d'emprunter votre réceptacle de subsistance. Je préférais probablement vous concentrer sur la construction d'un nouveau réceptacle dans lequel je pourrais me transférer. J'ai ajouté les informations à votre base de données. Il vous faudra trouver les composants nécessaires. Cela demandera des recherches. Il y a si longtemps que la connexion avec mon réseau a été coupée. Je ne peux déterminer les coordonnées. T'as mis quoi? J'ai ajouté à votre base de données. Acide chlorhydrique.
Module de passage, mode test. C'est ça que tu m'as filé là? Module de... C'est ça que tu m'as filé? Non, c'est pas ça que tu m'as filé. Qu'est-ce qu'il m'a filé, le gars? Module de stockage, c'est pas mal, ça. Amélioration ici. Ah ouais, avec du rubis. Permet de défense de la contracteur. Bras grappin. J'ai pas compris ce qu'il m'a filé. Hein. Je peux pas vous cacher que... Composant d'architecte. Ingrédient inconnu. Ah, organe d'architecte, squelette d'architecte, tissu... Ah, d'accord, il va falloir trouver les trucs pour pouvoir refaire... Ah, d'accord, I understand. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Seek fluid intake. Chercher un apport en fluide. Pas de soucis, on a ce qu'il faut. Tac, on boit un coup. Du coup, c'est blindé, là. On est blindé, on a perdu un petit peu de ressources. Ça marche. Mais... on va manger... on va manger... On va manger le bloc nutritif. Et on boit l'eau. Alors. Ça, ça sert à rien. Pas ici. Ici. Tac. On va recharger la pépite. On va ranger là-dedans les cubes ioniques. Ok. Alors, il nous faut du coup le... il nous faut ça. Et ça. C'est parti! Construction du nouveau module. Et pas n'importe lequel, le module de stockage de l'aquatracteur. Salut Timothy. Il est fait là? Boum, nouveau module. C'est long. Mon petit tracteur. Viens pépère. On va pouvoir partir en exploration, on va pouvoir stocker. Hein, on a certes, certes, pas le module de fabrication, mais au moins on peut stocker. Putain, mais c'est le pochon, il est en train d'attaquer mon sous-marin, quoi. Extraordinaire. Oh, il y a tellement de place. Il y a tellement de place. C'est incroyable. C'est historique. On va partir. On est go exploration. Salut, Rematis. Je vais juste me prendre un petit peu de bouteille d'eau et de la nourriture. Attends. Et comme ça, on pioche pas tout de suite dans... Dans les stocks. Ah bon, parfait, ramène-le. Comme ça, on pioche pas tout de suite dans nos stocks, on va juste se refaire un peu. Le module de fabrication ferait quand même très plaisir, mais bon. Hein, on va repartir en explo. On va repartir en explo, pas de soucis. Pas de soucis. Tout va bien. Ça. Ouais, tu peux essayer de trouver d'autres modules. Ouais, bah, c'est ce que je vais aller faire. C'est ce que je vais aller faire. Maintenant qu'on a fait celui-là, faut qu'on en trouve d'autres, quoi. Par contre, peut-être pris trop de poissons. Hein. Peut-être eu des morts inutiles là-dessus. Hein. Peut-être eu des morts inutiles là-dessus. Hein. Kit de câblage, ok. Alors, on va stocker tout ce qu'on n'a pas besoin. Ici, il n'y a rien. Tac. On stocke ça. Ça, ça. On prend ça. Ça. On prend ça. Ça. Ok. Ici, diamant or. Ici, on va stocker minerai d'argent. Et on va mettre ça au passage, quoi, pour l'instant. Très très bien, très très bien. On a deux bouteilles d'eau sur nous, c'est peut-être un peu trop. On a full poisson, c'est beaucoup trop. On a un couteau, on a un scanner. On n'a pas forcément besoin de l'outil de construction. Tac. On va partir en explo. Ah mais c'est misère. On va partir en explo vite fait. Histoire de trouver potentiellement de nouveaux modules. J'ai juste enlevé
celui-là du coup. Module d'amarrage de l'aquatracteur. À l'arrière de l'aquatracteur qui vous permet d'emmener votre combinaison Prawn partout avec vous. Ah bah je peux le faire mais j'ai pas la combi encore. J'ai pas la combi encore. Je sais plus comment on l'a fait la combi. Bon. Un Zerti. Ah bah attendez, mais non, bien sûr que non. Mais bien sûr. Histoire d'avoir toujours une batterie sur nous en cas de pépin. On se prend deux piles et une batterie. Deux piles et une batterie, avec ça on est large. Comme ça on le met dans le stock de l'aquatracteur. Et on peut vraiment partir sans se poser de questions sur est-ce qu'on aura ce qu'il faut pour revenir, quoi. On va le poser là. Parfait. Et je vais poser la nourriture aussi. Regardez ça. On est sorti, hein, en avant. Moi j'avais entendu PDA et ça nous a fait mal. Comment? Alors, où est-ce qu'on part? On pourrait partir par là. Par là, j'ai l'impression qu'on n'y va jamais. Objectif, débris, module. Et non mais regarde, il y a full quartz en vrai. Tu peux tellement stocker maintenant. Je prends le quartz qui est là. Bon, c'est du titane. Parce que c'est toujours 3 quartz de plus. Alors je m'arrêterai pas pour le quartz à chaque fois, mais bon. Ouais. Alors, je veux vraiment partir sur la gauche, mais pas trop non plus. En plus, maintenant, on peut plonger à 300 mètres de profondeur. On ne s'arrête plus sans raison. Et les raisons, c'est plomb, si on voit du plomb. Diamant. C'est du plomb, ça, non? Ah non, c'est du minerai d'argent. C'est pas si mal. C'est pas si mal, le minerai d'argent aussi. Est-ce qu'on peut mettre... On a l'outil de réparation. Ok, c'est parti. C'est parti! Pilote, dernière position connue. On sait qu'il y avait full truc là-bas en plus. Oh, il y a du lithium et tout, c'est bien. Et j'avoue que légère flemme de sortir à chaque fois, quoi. On sait qu'il y avait full truc. Attends, vraiment, on voit rien du tout. Hein. Est-ce que ce serait pas intéressant de dormir? Est-ce que ce serait pas intéressant de dormir? Il était là depuis longtemps dans une sorte de cube, il avait besoin d'une enveloppe. Que se passe-t-il pendant votre sommeil? J'ai été transporté d'un monde illogique à un autre. Et vous en étiez à chaque fois le centre. J'ai rêvé, le cerveau traite les informations d'une manière assez mystérieuse. Cela a-t-il une utilité? Ces pensées étaient si confuses. Et les fragments, images... Sometimes I can fly. J'ai jamais volé dans un rêve. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Votre rétroaction biologique indique que vos rêves préférés sont ceux où vous volez. J'espère que vous en ferez davantage, principalement pour ma propre sécurité. Ok.
Donc là, on est revenu là où on avait fouillé un max. Je remonte. Je vais pas descendre ici. Je vais pas descendre ici. Excellent. J'ai jamais fouillé. Enfin, j'ai jamais rêvé de que je voulais. Je suis un peu déçu. On peut pas ramasser. Non, on peut pas. Non, je voulais quand même vérifier au cas où, tu vois. Au cas où je m'embête. On commence à entendre des cris. Des cris de créatures. Plus effrayantes les unes que les autres. Et pourtant, elle y va. Elle y va sans crainte. Sans peur ni reproche. Alors tout ça, ça on avait déjà fait. Il me souvient. Parce que elle vient plus qu'un simple artefact qui m'aidera à suivre les traces qui m'ont aidé, qui m'ont laissé les miens dans cette. Je suis contente que je. Ah, d'accord. Si vous continuez à chercher, je pourrais probablement retrouver petit à petit ma connexion avec le réseau. Ouais, donc là on est d'accord, on l'avait fait. Hein. On est revenu ici, quoi. On est revenu ici, quoi. Bon, là, le seul souci, entre guillemets... Comment les vôtres font-ils pour communiquer sans être connectés? What do you mean? We just talk to each other. Do you not find that primitive? We exist as data. We are all aware of each other's thoughts and needs. Scientific endeavors are accomplished much more smoothly this way. There's more to life than research, Alan. I can't lie. Work would go faster if I could read my colleagues' minds, but thoughts are private, and people have their own inner lives. People change and need space to think. Space helps you think. I find that being separated from my network is very quiet. What do you mean by quiet? Imagine a thousand strings, each playing its own range of notes, none louder than the others. Each one builds harmony, a continuous thrum in the background of existence. Yeah. I am now a lone string in search of familiar harmonies. I'll help you find them. Je peux passer là, je pense pas. Ah mais là j'y étais allé, ok. Parce que j'essaie de retrouver la base de Véronique là. J'essaie de retrouver la base de Véronique. Parce qu'on avait encore des choses à fouiller et Quoi? On avait encore des choses à fouiller. Je sais pas comment tu fais pour sortir automatiquement. Qui a déjà volé? Pas moi. Moi comme Superman libre comme l'air. Ah non moi jamais moi. Mais c'est vrai que si je pouvais retrouver la base de Véro là. Là l'avantage pour le coup c'est qu'on a du stock hein, donc on peut prendre. Hein. On peut prendre. Un coup sur deux en fait, je comprends pas. À cause de Michel, ceux qui ont compris, c'est bien peu. bien plus honteux. J'ai compris malheureusement. Mais on assume. Ah la Starak. Putain, c'est bizarre. Un coup je sors automatiquement, un coup je sors pas. C'est bizarre. La base est là, je crois. J'ai un vague souvenir. J'ai un vague souvenir de la base de Véronique. Non. Minimum depth reached. Hull damage imminent. Ok.
Hop. J'ai oublié de reprendre. Ah, quel tocard. J'ai oublié de reprendre. Mon soin. Enfin, pas mon soin, mais. Mon truc de. Voilà. Véro! Je suis là! Je reviens parce que j'ai envie de scanner un peu plus chez toi au cas où, tu vois. Parce que là, bon, t'es bien gentil, mais. L'objectif, c'est quand même de trouver ce qu'éventuellement j'ai raté. Et je veux scanner un max. Maintenant que je peux construire. Le chien est toujours là. Il n'y a rien de particulier. Ok. Bon, il n'y a rien de plus ici. Il n'y a rien de plus à scanner. Là, on est tranquille. Là, on est tranquille. Objectif donc. Explorer les alentours. C'est une base de départ. On peut venir respirer là. Oh, manchounet espion. New technology acquired. Manchounet espion. J'ai trouvé des trucs quoi. Oh, nouveau schéma synthétisé. Oh, une nouvelle tenue. Incroyable. Bon, après les rubis, je vais pas te cacher que on commence à en avoir beaucoup quoi. Putain, on a encore du diamant là quoi. On est à 400 mètres de profondeur. Le problème c'est que là nous c'est du plomb qu'il nous faut, donc on est clairement pas au bon endroit quoi. C'est pas vrai, on peut pas le scanner là? Bon, j'allais respirer. Il y a une base ici, ok. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Attends, mais c'est ça, bête, ça. Oui, c'est ça, bête. Bon, fais un effort. Ok. Je vais aller regarder l'autre côté de sa base si éventuellement je pourrais scanner. Pas un truc à scanner là dans le coin éventuellement. Véro! Ouvre la fenêtre, je suis coincé! Non? Oh Véro! T'as rien de plus dans le coin Véro là? Faudra qu'on aille sur l'île. Maintenant qu'on a discuté, sympathisé avec, faudra qu'on aille sur l'île qu'elle nous a interdit d'aller. Faudra qu'on la fouille. Bon, je vois pas grand chose au final. Je dis pas qu'il y a rien, mais. En vrai, il faut que je descende là-bas. Je vais faire un. Je vais faire un coup de souffle. Un pouf souffle. Il y a une émission samedi sur la Starac. Ah, c'est vrai? Ok. C'est parti. On descend. On descend, on descend. On a 130 secondes, donc la moitié c'est 65. À 65, on fait demi-tour. À 65, on fait demi-tour.
plongée. Membrane de jade. Ok, on fait du tour. On remonte. On remonte. Que je me plante de route non plus parce que bon, j'ai compté pile poil. Hein. Bon, on a un deuxième bras. Le truc, c'est qu'on trouve des plans, mais on peut pas les faire. Donc, on y retourne. On y retourne, on y retourne. On peut pas les faire. C'est un bon point de départ quand même. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait construire ici, là. C'est-à-dire que si j'arrive avec les ressources nécessaires, je peux construire ce que je veux, là. Je l'avais pas vu, dis donc. Bon, il y a un autre bras en dessous, mais bon, on l'a maintenant. Hein, donc, Parce que si je construis une base là, une créature de classe Léviathan est à proximité. Ah, c'est sympa, mais torpille. Ça va être tendu. Je vais peut-être mourir là, tu vois. Je vais peut-être mourir là, tu vois. On a pris des risques. On a pris des risques. Yeah, yeah, I know, I see that, but I'm not afraid. I'm not afraid, because it's just here. I have 15 secondes pour y aller. Donc, on y croit, quoi. Oxygen. Ah. 3. J'y suis. Tellement tout le temps parfait avec moi, c'est usant. Si vous saviez ce que c'est usant d'être aussi parfait que moi, c'est pas simple. Hein. Ta loupe de distance, ta loupe du distance, c'est rare. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, du coup, je sais pas à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble que je vois à quoi ça ressemble. Mais de toute façon, j'y retourne. Hein. J'ai pris deux bras de torpille, je sais pas quoi là. Hein. J'y retourne. Hein. On peut avancer encore plus loin. On peut avancer encore plus loin puisque on a scanné des trucs, donc ça nous fait perdre un peu de temps. T'as eu chaud, Mich. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein, on sait parfaitement ce qu'on fait. Enfin, à peu près. Une créature de classe Léviathan, en plus, qu'il nous dit. Hein. Mais qu'ils viennent. Ah bah distance, bah voilà, on a. Bras propulsion. Ah, j'ai perdu du temps là-dessus alors qu'on l'a déjà. Waouh!
Waouh, je veux te scanner. Viens. Oui. Attends, t'es trop loin. Je veux te scanner. Ah ouais, mais tu m'emmènes trop loin là. Je vais pas pouvoir te scanner. Après, j'ai plus de souffle. Ouais. Bah écoute, hein. Moi, ce que je voulais, c'était de te scanner, hein. Ah, il va nous attaquer. On est pas en très grande forme là-dessus. On s'en va, on a compris le message. Hein, on n'est pas les bienvenus. Écoute, moi je voulais te scanner, hein. Hein, t'es pas non plus, hein. Bon, sauvegarde. C'est vrai qu'on aurait pu. C'est énorme. C'est un petit diamant bleu, ouais, merci. Merci du coup. Écoute, je voulais le scanner. En vrai, je serais resté. Avec plus d'oxygène, j'y vais. Clairement, je le scanne. Et on est limite, quoi. Il faudrait qu'il soit un peu plus près. Vas-y, c'est l'objectif. Scanner le Léviathan. On va se mettre un coup de soin. Attends, j'ai raté la sortie. On va manger. On va se soigner. J'ai plus d'eau, là ? Oh, c'est pas vrai. Véro, tu peux nous faire une bouteille d'eau ? J'ai un pochon, hein, s'il faut. Non, t'as pas envie ? En Véro. Non, parce que bon, là, il faut que je retourne, du coup, jusqu'à mon vaisseau. Bon, j'y vais. Je me suis raté. Attends, on a perdu déjà 3 secondes. C'est pas forcément bien. Ok, c'est parti ! C'est pas par là. Attends, je me plante ! C'est là-bas. Non ? C'est par où, normalement ? C'est là-bas. Prends le Léviathan. Sauvegarde. Le Léviathan, je te scanne. Quel courage. Oh, ouais. Bonsoir, Clochouette. It is a big. Ah, oh, je veux le voir. Non, mais enfin, on l'a vu, du coup. Il nous a mis un coup de crâne, on a survécu, déjà. Hein, ça, non, mais ça, il nous a mis un coup dans les mollets. On a les mollets de cycliste. Forcément, il n'a pas cherché plus loin. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai croqué un rocher ? Non, non. C'est les mollets. C'était mes mollets, mon grand. Viens ! Pépère ! Viens là. Viens, mon grand. Wouhou ! T'es à gauche, je viens de t'entendre. Mais du coup, je fouille un peu ici. Il y a un truc là au fond. Il est incroyable. Oh, y a rien du tout. Ah, oh, si, un truc! C'est intéressant, ça, ou quoi? Bras torpille, on l'a déjà. Oui! On devient tant ténébreux. Mais te barre pas! Attends, je te scanne! Mais je peux pas, dis donc! On se fait voler, monsieur l'arbitre! On se fait voler, monsieur l'arbitre! C'est par où qu'on rentre? Ah, là, ça va être tendu pour rentrer, par contre. J'ai pas le chemin. J'ai pas le chemin. Je suis perdu. C'était là-bas. Mais c'était pas là-bas. Je suis perdu. Ouais, non, mais là, on est mort. Il nous a remis un coup de crawl chacun. Mais je voulais le scanner. Oh, c'est triste. Oh oui! Viens! Rentre dedans! T'as coup de couteau! On va le tuer de l'intérieur. Tout est calculé. On le tue de l'intérieur. Vous êtes mort, il avait perdu quelques objets. J'ignore ce que nous allons trouver, si seulement. On a perdu quelque chose? On a perdu trop de trucs, non? On peut recharger? Ça a sauvegardé là? Ouais, ah bah du coup on y est allé quoi. On est les Vikings ou pas? Bah bien sûr, j'étais parti du coup. J'aurais dû prendre le couteau, j'avais pas le couteau dans la poche. Oh, c'est pas vrai, j'ai perdu le Tistine là, machin. Ah ouais. On peut recharger? Si je quitte et que je... Temps passé depuis la dernière sauvegarde, 2 minutes. On y va.
Il s'est fait engloutir. On a perdu le truc qui était rare en plus. Puis ça, j'avoue que s'il faut rescaler les bras, faire les 12 allers-retours, là c'est un peu la misère. On l'a sauvegardé, c'est pour ça quoi. Il s'est fait engloutir. Non mais j'ai fait comme dans. Ah ouais, on l'a. C'est bien. C'est good. C'est good, c'est good. Bon. Le scanner, ça semble tendu. On va pas s'embêter à y retourner. J'ai rien vu de particulier en plus à scanner. Ce qu'il faudra, c'est construire un truc. On ne s'arrête pas à sortir. Ce qu'il faudra, c'est construire un truc. Pas trop loin en vrai. Tu construis un truc pas loin. Pour avoir un point de départ et du coup, tu peux plonger encore plus profondément. Allez, on rentre. On rentre. En tout cas, on s'est fait manger par le Léviathan. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Je voulais faire comme dans les Gardiens de la Galaxie 2. Là. On rentrait dedans pour l'ouvrir de l'intérieur. Malheureusement, le jeu me le permet pas. Sinon, j'aurais réussi. Moi tout seul, j'aurais réussi. Après... J'ai déterminé en passant d'une technologie majeure. Je vous prie d'aller investiguer. C'est-à-dire... Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Ah, où est-ce que signal location uploaded to PDA. Ah, moi j'ai trop de signal aussi. Hein. C'est où? Gestion des balises. Signal dernier pilote. Artefact architecte. Ah ouais d'accord, ok. À 800 mètres, mais tu rigoles ou quoi? C'est ultra loin. Attends, je range ça. Oh, j'ai plus de place. Oh. Et on a un verre non comestible. Hein. On a. Mais tout est une misère dans le jeu, quoi. Enfin, dès qu'on veut passer une porte, faut bac plus 8 pour passer une porte, quoi. Ok, j'ai soif de l'eau. Hop. On rentre. Je repars par là. Bon, après, tu me diras. Je suis bien ici aussi. Hein. Parce que je suis vraiment obligé de sortir. Enfin, de rentrer. On peut toujours se refaire du stock de ce qu'il faut, quoi. Alors, du cuivre, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais. Qu'est-ce qu'il veut, le singe, là? Ok. Oh! Bon, on l'avait déjà scanné. Ah non, on l'avait pas scanné encore. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Viens pas. Hey, tu nous vois un truc, je te préviens. Qu'est-ce qu'il fait? Miaou! Toi. Pas se refaire voler. On nous a déjà volé un couteau. Hein? Ça va. Ça va. Mais il y a tellement de trucs. Regarde tous les rubis et tout qu'il y a. C'est incroyable cette zone quoi. Comme Kratos contre Kronos. Non mais c'est ça. Le problème c'est qu'on n'est pas dans le jeu quoi. Je prends un sac. Écoute, ça sert. Ça sert. C'est pas encore trop, mais. Nécessaire. Ok, on reprend la route. On reprend la route. Ça tapote un peu, mais on a ce qu'il faut pour réparer. Y'a pas une touche pour sortir vraiment là? C'est chiant en vrai. Ça me le fait une fois sur 8. Fragment à réservoir ultra capacité. C'est trop bien ça. 2 sur 3. Attends. Mais on est vraiment dans une zone folle. Hein. On est vraiment dans une zone. Hein, dans une... Il nous a piqué du titane le chacal. Mec, il s'est pris pour Sia. Et David Guetta. Non? Titanium, hein? Non, c'est pas ça?
On va ranger l'or et le rubis. Ok. Amélioration de puissance de la quadracteur. J'ai pas vu du coup, ça m'a donné du titane ça ou Eh, c'est des sacrés voleurs hein. Le présent de singe de mer 2. Les singes de mer ont changé de comportement. Si seulement je pouvais leur indiquer ce dont j'ai besoin, peut-être qu'ils me rapporteraient quelque chose d'utile la prochaine fois. C'est pas vrai! C'est incroyable ce que tu me dis là. T'es en train de me dire qu'on pourrait leur dire d'aller chercher genre du diamant et ils vont le chercher pour nous. Ce serait fou cette histoire. C'est fait ça, non? Réacteur thermique de l'exosquelette. Mais attends, mais il y a tellement de trucs dans cette grotte, c'est incroyable. Mais c'est la grotte ultime, quoi. Fragment réservoir ultra capacité. C'est bon, on l'a max. Non? On l'a max? Distille, regarde ça. Récupère l'humidité du corps et fournit de l'eau propre et potable. Incroyable! Un manchou. Robot d'observation télécommandé. Snow Fox. Je sais pas ce que c'est. Canon à propulsion. Bras torpille. Amélioration de puissance de l'aquatracteur. Réservoir à très... C'est trop bien. On va pouvoir plonger plus longtemps. C'est trop bien le jeu, quoi. On va pouvoir plonger plus longtemps. Excusez-moi, parlons. Excusez-moi, parlons. Alors. C'était... Il y en avait un là? Celui qu'on vient de faire, celui-là, non? Ouais. Moi, j'ai un doute. Parce que là, on est en train d'essayer de se faufiler en train. Je te cache pas que c'est pas la meilleure idée. Hein. C'est pas la meilleure idée. Je pars à droite. Toujours prendre... Bon, je pars à gauche. Toujours prendre à gauche. Bonsoir, jeune singe. Vous êtes à portée de données qui pourraient être utiles à la construction d'un nouveau réceptacle de subsistance. Vous devez poursuivre l'investigation. Ah ouais? C'est-à-dire? Tu veux que je plonge encore? 300 mètres. Après, c'est tendu là, mon grand. Eh, j'ai plus d'eau, moi. J'y vais. Pas ce que c'est, mais c'est pris. On a pas le temps de scanner. Je ressens fortement la technologie des miens à proximité. Un composant de mon corps est proche. Récupérer espoir en fleurs. Attends, tu ressens un truc là? On peut respirer dans ta base là? Si on peut respirer, c'est pas gênant. Si on peut pas, c'est une misère. Hein. Faut que je me repère. Derrière, il va falloir remonter, il faut savoir où on va quoi. Pas convaincu de ça. Parle encore, dis-moi. Tu le ressens de quel côté? Ah ouais, non mais moi je veux bien y aller mais le problème c'est que là c'est la misère, s'il n'y a pas l'endroit pour respirer c'est la misère. Ok, on l'a. Enfin on l'a. On sait où ça va. J'ai juste analysé ça là. J'ai plus de piles.
à cultiver pour fabriquer du matériel sophistiqué. Ok. J'ai plus de piles là en plus. Donc pour scanner et recharger mon truc, ça a commencé à être tendu. Hein. Ah ouais, 30 secondes, on y est. On y est, pas de soucis. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. J'ai 12%, je suis pas sûr de pouvoir faire l'aller-retour. Hein. Mais j'ai des piles dans l'aquatracteur. J'en avais pris en stock. Et c'est vrai. On va pas trop user. Juste que je reprenne une. Ah non mais... Mais elle est... Mais comment ça? Mais je... Ah ouais, d'accord. Ah, plus t'es penché vers le bas. Ah ouais, d'accord, bien vu. Les piles, c'était où? C'était là, rien de ça. On a des piles ici. J'en prends deux. Et puis, on est bien. J'en ai pas vidé une. Comme ça, je vais pouvoir recharger le scanner et le Seaglide. Yeah, très très bien. Bravo, mon ami. Zerti. On est parti, on va chercher. On a un nouveau. Comment ça s'appelle? Un nouveau truc d'architecte là. C'est pas à côté, on commence à avoir un peu soif. On a pensé à rentrer hein. Parce que j'ai plus de stock de boissons hein. C'était pas par là. Je vous le dis, non mais je préfère être honnête. Ah si, c'était par là. Je me suis absolument pas perdu. Simplement du génie, c'est quoi ça là? Minerai de nickel. Chercher un apport en fluide. Ouais. Non mais je sais ça. Hein. Je sais qu'on a un peu de soif mais... On a une porte. Ah oui, on va pouvoir respirer. Oh, dis donc, le jardin, quoi. Composant architecte. Structure d'un esthétique et culturel. T'as pas une plante qui permet de boire là? Mon grand? Non, y'a pas? Non. C'est tout ce qu'il y avait là? Bah c'est pas si mal tu me diras. Ouais, il faut absolument qu'on rentre par contre.
Parce qu'on a plus d'eau et je suis pas sûr qu'on puisse faire l'aller-retour. Lâche-moi, fils de chacal! Je suis en train de recharger mon Seaglide, s'il te plaît. Bon. Comment on remonte du coup? C'est où la route? Ah, y a du nickel, mais Ouais, avec le nickel, c'est que... Attends, je suis perdu. C'est où ma position? Ça va. Le problème avec le nickel, c'est que... Bah, je sais pas, quoi, ici. Ouais. On a pris deux trucs de nickel. Ce qui, dans l'absolu, est déjà pas si mal. Bon, maintenant, il faudrait qu'on sorte et qu'on mange. Enfin, et qu'on boit, pardon. J'ai à boire encore, là? Ah non, j'ai rien, on est d'accord. J'avais vraiment pris qu'une... En même temps, je m'attendais pas à partir aussi longtemps. Eh bah, ouais, c'est... Non mais ça, c'est un souci. C'est le truc qui lag, en plus. Ça, c'est un souci. Et pour se ressortir de là, je te cache pas que c'est un peu la misère. Parce que là, je sais pas. On va se faire un tout droit vers le haut, et puis on espère. On croise les doigts. Quoi? Tout droit vers le haut, et on espère tomber sur une sortie. On est sorti déjà. Vraiment là, on est sorti. On a 1,2 km à faire. On a 1,2 km à faire. On manque légèrement d'eau. Est-ce qu'on y croit? Oui. Est-ce que quand on manque d'eau, on meurt instantanément? Ou est-ce qu'on perd des points de vie? Parce que c'est ça la vraie question. Si tu perds des points de vie, bon, on peut compenser. Je suis pas sûr. Pas sûr. Mais si on meurt de soif instantanément, ah, t'as pas bu, tu meurs, tu décèdes. Tu sais, sans perdre de points de vie, bah, on est un peu déçu. On sera un peu déçu. On va voir. 800 mètres pour arriver. Écoutez, ça me semble faisable. Hein. On a déjà fait 400 mètres. Encore deux fois ça à faire. Ça peut être pile poil. Ça peut être pile poil. Encore une fois, ça dépendra de est-ce qu'on meurt instantanément ou pas. Quoi. On a trouvé la sortie direct, par contre. Hein. C'est vrai que ça, c'est fou. On a eu une légère chance là-dessus. C'est juste un bridou. Mais j'avais pas de la lumière là. Je me disais, il fait super noir. Bah ouais, mais c'est pas que la nuit en fait. Hein. Quatre cents mètres. Seek fluid intake. On prend des dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on l'avait vu. Pas le moment de manger ça. Ah ouais, on en prend beaucoup en plus. Ouais, ok, on est mort. Ouh! Vite! Ça, encore un coup et je suis mort. Ah, on était là, hein! On y était, ça s'est pas joué à grand chose. Si je ne serais pas fait attaquer par l'huître là, on aurait survécu.
On a rien perdu. Si ? Cristal d'uranite. Minerai de nickel. Bon, c'est tout ce que j'avais besoin. Le reste, de toute façon... Voilà, bah tout va bien. J'avais à manger là-dedans, là ? Ouais, j'avais rien de bon. J'avais rien de bon. Parfait, on est arrivé. Oh, bon sort. Excellent. Ça s'appelle l'instinct de survie, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Tiens, je vais prendre un pochon. Tout ça parce que je suis parti avec une seule bouteille d'eau, quoi. On le saura, on le saura. Tiens, bah, prends-moi les pochons, là. On va se refaire des bouteilles qu'on mettra en stock dans l'aquatracteur. Comme ça, on est tranquille. Welcome aboard, Captain. Et du coup, on peut se faire le distill et... non, pas ça du tout. Amélioration de Brown. Ouais, mais c'est sympa tout ça, mais pour l'instant, je peux pas le faire, la combi. Je peux pas l'amélioration de la puissance de l'aquatracteur. Ça aussi, c'est bien. Oh, on peut faire tellement de trucs. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on peut se faire, du coup, normalement, ça. Réservoir à accélération d'oxygène bionique. Donc ça, ça fait un peu plaisir. Ça fait un peu... Non, mais ça fait plaisir. Regarde le truc que t'as pas reconnu il y a une minute en revenant la plateforme au-dessus de l'eau. Regarde le truc que t'as pas reconnu il y a une minute en revenant la plateforme au-dessus de l'eau. Non, il me semble que c'était... Il me semble que c'était l'un des premiers endroits où je suis allé. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Ou c'était un truc à fouiller, quoi, vite fait. Il me semble. Il me semble. Bon, on va manger, on va boire, on va stocker. Et on sera très bien. Enfin, on va même pas avoir besoin de boire. On va stocker, on est bien. Hop. On mange. On mange. On mange. On mange. Très bien. On va stocker. Non, pas là. Ici. Or. Nickel. Tac, tac. Cristal d'uranite. Oh, on manque d'espace. On manque d'espace. Il nous faudrait une grande armoire. Il nous faudrait une grande armoire. Bon, ça prend un peu de dégâts, lui. On va le réparer. Quelques fuites d'air. Quelques fuites d'air pour Pépère. Hop, on rentre. On va stocker dans le casier du haut à gauche. De l'eau. Voilà, ça c'est bien, on est content. Alors. Quoi ? Ah. C'est ça que je voulais en priorité. Hein. Pas vous cacher que le reste, bon. Le reste, bon. C'est sympa, mais je savais pas qu'on s'en fout, mais on en est pas loin quand même. Je sors, je vais jeter mes poissons là. Les poissons morts. Et on continue de vider. Petit explo qui fait plaisir. On est revenu avec du plan. Mais après, il faudrait le brown là. Ah oui, c'est mon ombre, pardon, j'ai pas compris. Il nous faudrait le brown là. Parce que le brown, il est intéressant quand même. Le brown, il est intéressant quand même. Tac ici. Ah ouais, on est fou là. On est dans les hauts, on a un peu beaucoup d'objets. Ce coffre ne sert pas à ça normalement. Mais on s'en servira pour ça. Énergie 500 sur 500. On met ça. Et puis, très bien. Très bien, très bien. Bon, du coup, on a... Je vais aller voir juste vite fait. S'il n'y a pas un truc à faire du coup là-haut. Nouveau éventuellement. Oh non, oh la misère. Ok.
carrément dégoûté là-dessus. Hop. Et il n'y a rien de nouveau. C'est là, il me semble que c'est là qu'on peut faire le robot. Mais le truc, c'est que j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas encore les plans, quoi. Il faudrait trouver une base de plus. Je pense qu'il va falloir qu'on aille retourner sur la station Delta, là. Faut qu'on fasse ça. Faut qu'on aille voir la station Delta. Avec la station Delta, on sera assez serein. Une fois ça fouillé, je pense qu'on revient avec tous les éléments pour faire le robot. Et derrière, on est bien. Derrière, on est bien. Je vais rien laisser ici à part pile. Tac. Pile haut. Et rien d'autre. Voilà, très bien. Hop. Excellente, excellente. On est prêt à repartir. Comme jamais. J'aurais pas dû manger en vrai, je suis en train de me dire. Mais bon, je le savais pas quoi. Je vais faire. C'est ça, c'est 4. C'est 5. J'aurais pas dû manger les rectangles là, de nourriture. Faudrait que je pense à ne pas les manger. Faudrait que je pense à pas les manger. Lingot de plastacier, il m'en faut un, je peux le faire, je vais le faire. Comme ça, c'est fait pour le module d'aquarium, il est prêt. On peut faire le kit de câblage aussi, on va le faire. C'était minerai d'argent. Minerai d'argent, c'est où que je le mets? Je l'ai pas. Ah si, j'en ai deux. Enfin, j'en ai trois d'ailleurs. Tac. Et après c'est vert émaillé, je sais plus comment on fait. Vert, plomb et diamant. Plomb, on en a pas assez. Vert, plomb et diamant. Mais bon, au moins c'est fait quoi. Faudra qu'on trouve du plomb. Faudra qu'on trouve du plomb. C'était de base un objectif. Résultat, on s'est perdu. On a fait d'autres trucs, quoi. Alors là-dedans, je stocke ça, ça. Et ça. Je vais récupérer l'or. Que je vais mettre ici. Eh ben non, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. J'ai quoi là-dedans, là? Ça. Attends, je pensais avoir une place ici. Donne-moi les lingots, pose ça. Des pots de sel. Ah non. Attends, c'est pas ça que je veux faire. C'est ici que je voulais mettre. Voilà. Ça, c'est les trucs construits. Le quartz, on va le prendre, on va faire du verre. Le verre, je vais le poser là. Je suis en train de... Je réorganise. Le verre, on le met là. Ici, c'est tous les trucs qui ont déjà été transformés au moins une fois, ou alors que je sais pas l'utilité. Hein, sport fleur, par exemple, servant à la production de matériaux avancés. Ça a l'air intéressant. Pour l'instant, on sait pas. Donne-moi le rubis, là. Et je vais mettre ça ici, parce que c'est ultra rare et c'est intéressant. Je vais reposer le rubis, là. Okay. Ah, le couteau! Et je vais... On va poser ça là. Hop. 2, 4, 5. Pose le dépôt de sel. Pose le cuivre. Je vais refaire 2 de verre. Non. 2 de verre, ok. Pardon, excusez-moi, je suis concentré. Comme ça fait du tri et on est bien. Ça nous libère de l'espace. Et on pré-construit des trucs, quoi.
Très bien, très bien, très bien. Voilà. Comme ça, ici, on met du verre et un lingot supplémentaire. Voilà, excellent. Excellent, excellent. On va poser ça. Parfait. Le tri est fait. Bon, la suite, ce sera la prochaine fois.